Les réseaux sociaux peuvent être le cadre de belles rencontres, d'initiatives solidaires et de commentaires désobligeants. Lucille, qui a participé à la saison 15 de L'Amour est dans le Pré, peut en témoigner, après avoir été attaquée sur son physique par un internaute. La femme de Jérôme, enceinte de son deuxième enfant, a pris la décision de rendre public les cris malveillants, ainsi que sa réponse. Plus tard dans la soirée, elle a expliqué sa démarche en story sur Instagram. Le respect n'est pas négociable, et même sur les réseaux sociaux, a indiqué Lucille. En partageant ce commentaire nauséabond, la maman de la petite capucine a voulu mettre en lumière l'indécence de certains propos qu'il est possible de recevoir avec notre travail sur les réseaux sociaux. Quand si est-il indécent, il faut en parler et le montrer. Et surtout lorsque ce sont des sujets qui concernent beaucoup de monde, a-t-elle ajouté, ne se disant cependant absolument pas touchée par ce type de commentaires. Lucille soutenue par sa communauté attaquée sur son physique, Lucille a décidé de ne pas se laisser faire. Surtout, la compagne du maraîcher Jérôme s'est appuyée en contrepartie sur d'innombrables messages de soutien venus de personnes qui suivent leur activité sur les réseaux sociaux au quotidien. Je suis heureuse de voir que notre communauté nous ressemble, et est aussi choquée par ce genre de message, s'est réjouie la jeune femme qui attend un petit garçon pour juillet prochain. Lucille a également décidé de partager plusieurs commentaires de femmes fières de leurs défauts et exaspérées de devoir entrer dans des cases. L'épouse de Jérôme a ainsi affiché sa volonté de se montrer positive, et de soutenir publiquement ces femmes, qui sont comme elle, trop souvent attaquées sur leur physique via des jugements déplacés. J'espère que ce soir, chaque femme complexée qui aura vu ces stories, ira se coucher fière d'elle et qu'elle se sentira belle, a-t-elle conclu son coup de gueule par une touche de bienveillance appréciable. Crédit photo, capture d'écran Instagram.